Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous comptons pour nous retrouver nous sur le plateau Cassivia pour nous capables de présenter une émission pour là 100% évangélique. Émission qui parlait avec Ola selon sa Bible à Dia. Et émission qui fait tout effort pour le capable de dire la vérité à Jean qui est lié. Et c'est peut-être ça, nous bénissons mon Dieu en pile parce que nous avons une opportunité ça, pour nous capables de présenter émission ça, sous plateau ça, pour capable comprendre ça que vous devez faire pour capable gagner la vie. Nous saluons tout le monde qui a regardé nous, et saluons tout le monde qui a regardé pour la première fois, ou monde qui a l'habitude de regarder. Donc nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous comptons pour nous retrouver nous avec vous, et surtout pour ceux et celles qui ne parlent pas créole ou qui ne comprennent pas créole. Donc, je vous salue dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu. Et c'est en son nom que je suis là cet après-midi pour vous présenter votre émission 100% évangélique. L'émission qui vous dit la vérité et l'émission surtout qui est basée sur le Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc, si en connaissant la vérité, nous pouvons être affranchis, donc c'est que cette vérité n'est pas la vérité d'un homme, n'est pas la vérité inspirée d'un homme, ou n'est pas la vérité qui vient d'un homme, mais plutôt cette vérité, c'est un homme. Et cet homme, ce n'est pas un humain. C'est Jésus-Christ lui-même, puisqu'il dit, je suis la vérité. Donc, il est la vérité. Donc, c'est pour cela que nous prêchons cette vérité dans le nom de Jésus-Christ. Donc, je vous souhaite déjà la bienvenue encore à votre émission 100% évangélique et je salue de manière spéciale notre technicien ainsi que sa famille. Donc, nous saluons aussi nos frères et sœurs qui regardent l'émission et étant chez eux, nous les saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes très contents et même merveilleusement contents. Et c'est un contentement qui est inexplicable. Et qu'on ne peut pas décrire. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur, dans son amour, a accomplies. Il a accompli dans son amour. Ces choses-là, nous ne pouvons pas expliquer ces choses. Parce que ces choses, le Seigneur les a faites d'une manière que vous et moi, nous pouvons examiner ces choses. Mais nous n'arriverons pas à comprendre ces choses hein, dans toutes les profondeurs de ces choses-là. Donc, c'est-à-dire, c'est que Dieu agit de manière à étonner ni vous, ni moi. Donc, ce que nous devons faire, c'est surtout rester dans sa parole, nous assurer que nous faisons ce que sa parole nous demande. C'est notre objectif, c'est notre but, c'est notre plan, c'est notre projet, c'est notre avenir. Notre avenir, ce n'est pas avoir une maison ou avoir des choses qui sont périssables, pernicieuses, mais plutôt notre avenir, c'est avoir les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes que le Seigneur Jésus-Christ avait préparées pour ceux qu'il avait déjà choisis depuis la fondation du monde. Donc, j'ai béni son nom. Parce qu'il est digne de mes louanges, mes adorations. Il est digne de ma sainteté. Il est digne aussi de ma sanctification.
C'est pour cela que je vous dis, comme je le dis souvent à mes bien-aimés, une vie épanouie en Christ, ce n'est pas le fait que vous avez un travail. Ce n'est pas le fait que non plus que vous vous êtes marié ou vous avez acheté une maison que vous allez peut-être passer toute votre vie à vouloir payer ou bien à vouloir désendetter de cette dette. Pendant ce temps, votre vie spirituelle, vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Comment cette vie fonctionne, votre vie spirituelle. Donc c'est vrai, vous pouvez être beau, heureux, enfin, entre guillemets, heureux, être dans la joie, vous vous sentez bien, parce que vous, voilà, vous avez un travail, vous avez une femme, vous avez une maison, donc vous avez un compte en banque rempli de sous. Vous n'êtes pas encore heureux, je vous dis. Et vous n'êtes pas encore épanoui non plus. Moi, mon objectif, c'est ce que je disais à mes frères et sœurs. Mon plan, c'est que je sois épanoui dans le Seigneur. C'est que j'ai une vie épanouie dans le Seigneur. Et pour le reste, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend du Seigneur, simplement. Et une vie épanouie, c'est une vie spirituelle, une vie de sanctification complète et totale. Et ça commence à la maison. Et c'est par là que la sanctification va être complète. C'est pour cela que je dis que je suis heureux. Je suis un homme riche. Très riche. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de grands moyens. Je vous le dis souvent, des gens m'insultent, me disent que je suis pauvre. Même les boulots que j'ai fait, enfin, les boulots que j'ai fait, des gens me critiquent par rapport à ça, parce que je ne suis pas complexé. Je peux faire n'importe quel boulot, n'importe quel travail, sauf que je ne peux pas voler, bien entendu. Vous savez, tout ce qui est en dehors de l'évangile, je ne peux pas faire ça. Mais il n'y a pas un travail que je ne peux pas faire. Pourquoi? Parce que j'ai une famille. Quand on a une famille, on doit prendre sa responsabilité, on doit être responsable. Donc, c'est tout à fait normal. Si quelqu'un veut me critiquer parce que je fais un boulot, ça, je m'en tape. Franchement, ça ne donne pas de problème. Hein? Donc, les gens disent, ouais, enfin, il y a un certain monsieur qui me critique en disant qu'il n'a jamais vu un pasteur qui travaille, qui fait des boulots, des trucs de... Enfin, comme je travaille à un certain temps dans l'espace vert, donc en travaillant dans ces genres de milieux-là. Un, je n'ai jamais dit que j'étais pasteur. Et deux, j'ai une famille. Et quand mes enfants auront besoin de couches, ce n'est pas devant vous que je vais venir pour vous dire de me prêter 20 euros. Déjà, si je vous ai demandé de me prêter 20 euros, je ne vais pas le faire deux fois. Parce que la seconde fois, vous allez en avoir marre avec moi. Et vous allez me dire d'aller travailler. Donc, bien aimé, je préfère de travailler, peu importe le travail. Il suffit que j'ai mon salaire selon les règles de l'État. Et tout va bien. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, mes bien-aimés. Ce qui m'intéresse, c'est la vie qu'on mène avec le Seigneur. Moi, je suis très sensible par rapport à ça. Ma vie spirituelle. C'est pour ça, le Seigneur, dans son amour, a permis à ce que je puisse trouver grâce à ses yeux en m'aidant à travailler totalement ma vie et celle de ma famille. Parce qu'un enseignant doit être un modèle.
doit être l'exemple. Celui qui enseigne, celui qui dit de faire, il doit être le premier à faire. Tu dis de donner, mais tu dois être le premier à donner. Ce n'est pas d'appeler tout le monde, de allez, venez, venez, donnez, donnez ce que vous avez. Mais vous n'avez jamais rien donné. Peu importe, vous ne soyez, que vous n'étiez pas mon ami. Si vous me dites quelque chose, que je sais que l'évangile n'est pas d'accord avec ce que vous venez de me dire. Le fait que vous soyez mes ennemis, je ne sais pas, comme je n'ai pas d'ennemis, ou que vous n'êtes pas d'accord, ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre ce que vous m'avez dit. Pas du tout. Je vais prendre ce que vous m'avez dit. Si vous dites, Frère Patrick, vous avez un pied cochu. Ben, je vais regarder, est-ce que vraiment j'ai un pied cochu? Et je vais travailler là-dessus. Ah, je vais dire, mais lui, regardez, lui, il est comme ça, il est comme ci, et puis vous regardez, comme, il va me dire quoi faire. Ce n'est pas mon problème. Si toi, tu ne veux pas t'arranger toi-même, ce n'est pas mon problème. Tu peux me dire de m'arranger. Tout le monde peut m'appeler. Appelez-moi. Hein? Dites-moi, Frère Patrick, vous avez tel défaut. Vous avez tel défaut. Je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire merci. Je vais même prendre mon stylo. Je vais commencer à noter. Et puis, je vais travailler là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfer, ça m'a pas la dedans. Vous savez pourquoi? Je ne vais pas prendre le même côté à Donald Trump ni à Obama. Jamais. Pas près là. Où t'as dit ça? Et m'ta souhaité dit même bagay là, oui. Dis ou pas près le côté monsieur ça fin jouer la vie. Ou même ou passe côté misère pour faire des toits grand héro pour payer car elle a pas même assez. On a pour mourir pour ça en faire aller. Hein? Quelle indignation. Et combien on t'a payé pour accepter Christ? Combien on t'a payé pour marcher à Christ? On pas payé cher pour ça. Jésus-Christ doit venir. Pourquoi c'est Jésus qui a payé, oui? Et pas, non seulement, il a payé, pas parce qu'il n'a pas payé déjà, parce qu'il a déjà investi pour vous. Il a déjà investi pour vous. Et son investissement, c'est sa vie. C'est son amour inconditionnel. Donc, il a investi d'abord et après, il vous a déclaré cet amour. Et c'est pourquoi je suis chrétien, disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Et en retour, après mes constatations, j'ai vu que cet amour mérite d'être réciproque. Donc, automatiquement, mes bien-aimés, je l'ai aimé aussi. Et voilà, il est mon Seigneur, mon Dieu, mon seul vrai Dieu. Je ne sers pas Dieu pour la vie éternelle. Je sers Dieu parce que je l'aime. Et parce qu'il m'aime plus que je l'aime. Et je sais que mon amour pour lui ne sera jamais arrivé, même aux chevilles de son amour pour moi. Mais je sais une chose, je lui ai déjà demandé cela. Seigneur, enseigne-moi à t'aimer. Enseigne-moi à t'aimer et surtout dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Si je t'aime parce que tu m'aimes, je ne t'aime pas pour des intérêts. Je n'aime pas Dieu pour des intérêts. J'aime Dieu parce que Dieu m'aime. J'aime Dieu parce qu'il s'est investi lui-même pour moi. Il s'est livré lui-même pour moi. Donc un homme pareil, je dois l'aimer. Et je me sens bien. Je me sens libre. Je me sens léger.
ni à la maison. Ben, si la maison n'est pas correcte, on ne se sent pas allégé, hein, bien-aimé. Il faut que la maison soit correcte. Je vous le dis. Il faut que tout soit conforme. Et c'est ce qu'on appelle la marche vers la sanctification totale et complète. S'occuper des enfants spirituellement, parce qu'il faut enseigner ces enfants-là. Et c'est sur ce sujet-là que nous allons parler. Il faut les enseigner, les apprendre à prier, les enseigner. Je ne peux pas vous dire quelque chose. Je ne peux pas venir vous dire quelque chose que je n'ai pas, que je ne fais pas. Parce que moi, je ne vais même pas vous laisser m'insulter. Moi, je vais insulter moi-même. Je m'attaquerai moi-même. Parce que j'ai l'hypocrisie. Et je ne veux pas être un docteur des aveugles, un enseignant des insensés. Qui dit de faire et qui ne fait pas lui-même. Je m'assure à ce que j'arrange ma vie. Et après, je peux vous dire d'arranger votre vie. Ce n'est pas que je n'ai pas le droit, peu importe que je n'ai pas fait de vous le dire. C'est mon problème si je fais le contraire. C'est mon enfer si je fais le contraire. Mais la conscience d'homme en Jésus-Christ nous enseigne à ne pas être des docteurs des aveugles et des enseignants des insensés. Et c'est pour cela. Cela ne me fait rien qu'on me méprise, qu'on m'insulte, qu'on parle mal de moi. Mais sauf que vous ne pouvez pas vous présenter devant moi. Peu importe sur ce plateau, peu importe sur face à face, ou peu importe là où vous voulez. Vous n'aurez rien. S'il y avait un vide par lequel vous pourriez passer, vous pouviez, laissez-moi étudier la phrase, vous pouviez passer. Dieu a accompli un miracle. Il n'y a plus de vide. Plus rien, mes bien-aimés. C'est pourquoi je suis épanoui. Rien. Parce que je tiens à la réputation de l'évangile. Pas la réputation, ma réputation à moi. Ma réputation à moi, ce n'est rien. C'est de la bourre. C'est de la bourre. Mais la réputation de l'évangile, ah, ça c'est quelque chose qui est plus précieux qu'un gouvernement, que les trésors d'un pays, que les patrimoines d'un pays. La réputation de l'évangile. C'est pour cela, l'évangile doit être prêché, l'évangile doit être sorti d'un canal sanctifié. Et pendant tout le temps que je vous enseigne, je vous dis ce que dit la Bible, moi je me travaille. Je me prépare. Je m'arrange. Je lutte pour qu'il n'y ait pas ou qu'il n'y ait plus d'erreur de ma part ou de la part de ma famille. Parce que cette parole-là, si je veux qu'elle soit écoutée, entendue, reçue, il faut que mes actions accompagnent cette parole-là. Et aussi les actions de ma famille accompagnent cette parole-là. Et à ce moment-là, je serai épanoui. Je serai libre et fier de parler, comme je l'ai été toujours. Et je bénis le nom de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Invoquons le nom du Seigneur ensemble pour son amour. Il est grand et merveilleux. Donc, c'est lui qui est notre Dieu. Donc, nous pouvons automatiquement l'invoquer, l'inviter à prendre place. Je vous l'avais dit dimanche dernier que celui qui vit selon la chair, il est mort, quoique vivant, comme dit la parole. Donc si quelqu'un qui vit selon la chair est mort, donc
n'en parlons pas de l'enlèvement. Cette personne-là ne pourra pas être enlevée parce qu'elle vit selon la chair. Et c'est pour cela que j'ai refusé de vivre selon la chair et ainsi que mes proches. Quand je dis mes proches, ceux que je peux, en tant que chef de famille, mener vers Dieu. Je ne vais pas diriger le salut de quelqu'un, puisque c'est à vous de diriger, mener, gérer votre salut. Je peux vous conseiller, je peux vous aider dans la prière. Et Dieu, quand il répond aux prières, à ses prières, il a répondu d'une manière exceptionnelle, de manière à nous étonner souvent et toujours, en disant, oh, regarde ce que le Seigneur a fait. Ce qu'il a fait, ce sont de grandes choses, des choses magnifiques. Comme dit le psaume, comme dit Ésaïe 12, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Vous direz en ce jour-là, louez le Seigneur, invoquez son nom, publiez ses bienfaits parmi les peuples. Célébrez-le, car il a fait des choses magnifiques, poussez les cris habitants de Sion. Et nous devons souvent prendre le temps de dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Et nous allons prier pour lui dire merci pour cette émission, enfin pour ceux qui aiment cette émission. Et de le demander surtout de nous accorder sa grâce en nous donnant des nouvelles révélations. Et des révélations qui peuvent nous aider à prendre le chemin, le vrai chemin. Et c'est très important ce que nous ayons. Ces gens de requêtes de prière. Parce que nous en avons besoin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment. Nous savons que nos paroles, nos adorations, nos louanges ne peuvent pas être suffisantes. Nos actions, oh Seigneur, nos tournées d'évangélisation à l'hôpital, maison de retraite ou dans les rues, ou des portes en porte, ces choses-là n'arriveront jamais, Seigneur, à égaler ton amour et notre amour pour toi. Et nous savons que nous n'avons jamais rien fait pour toi. Nous nous efforçons, c'est vrai, mais nous n'arrivons jamais. Parce que nous avons, Seigneur, ce qu'on appelle la chair. Et cette chair qui est notre ennemi premier, qui nous attaque, qui nous empêche. Et cette chair n'accepte pas que nous marchions selon l'esprit. Et cette chair, Seigneur, nous combat quotidiennement. Et c'est pour cela que nous venons auprès de toi. Et nous te disons, nous voici devant toi. Pour te demander, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, dans notre vie. De nous accorder la grâce de pouvoir combattre la chair, le monde, le diable. Et de vivre enfin, selon l'Esprit. Seigneur,
Ton amour est inexplicable, inexprimable, indescriptible. Il est merveilleux. Il est incomparable. Parce que tu as un amour sincère à notre égard. Et ton amour pour nous, il n'y a pas d'hypocrisie, Seigneur, là-dedans. Et nous sommes dans la joie lorsque nous nous rappelons que tu nous as aimés. Et surtout, Seigneur, quand ta parole a dit, lorsque ta bonté et ton amour pour nous ont été manifestés, tu nous as sauvés. Non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon ta miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Seigneur, cette même miséricorde, nous te demandons, Dieu de toute la terre, d'user cette même miséricorde à notre faveur, à notre égard, et de nous accorder la grâce de marcher enfin selon ta parole, de marcher selon l'esprit, d'écraser la chair et de donner vie à l'esprit. Parce que lorsque nous nourrissons la chair, l'esprit, Seigneur, est obligé de nous quitter. Parce que l'esprit ne peut pas évoluer dans cette chair qui est attachée au péché. Nous te demandons, Dieu, au nom de Jésus-Christ, de nous accorder cette grâce de pouvoir combattre nos ennemis pour pouvoir marcher avec toi dans la vérité, dans la parole. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci infiniment, Seigneur. Merci, merci. Et que ton nom soit glorifié, élevé, plus haut que les cieux, éternellement. Et que ton royaume règne dans notre vie et demeure éternellement, au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment, bénis ce que nous allons dire, et surtout, fais tomber les écailles de ceux qui ont encore des écailles, et de leur permettre de comprendre ta parole, et de se ressaisir. Et pour prendre ce nouveau départ, pour prendre ce nouveau départ dans la vérité, dans la parole et dans la sanctification. Merci infiniment, Dieu de toute la terre. Et c'est ainsi que je te prie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul soit et sera toujours la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, ma bien-aimée, nous sommes encore avec vous après ces requêtes de prière pour partager la parole à vous qui regardez cette émission depuis des années et à vous, soit qui... à vous peut-être qui regardez plutôt pour la première fois. Vous êtes sur Cast TV et vous regardez 100% évangélique. L'émission qui dit la vérité selon ce que dit la Bible. Autant que personne n'est appelé pour dire que c'est du mensonge. Donc c'est la vérité alors. Et c'est pour cela que je vous dis souvent aussi, mes bien-aimés, le téléphone est toujours ouvert. Parce que nous savons que vous pouvez avoir quelques suggestions, critiques, encouragements. Donc, je vous laisse toujours la possibilité de vous exprimer. Et je ne me suis pas imposé. Mais je vous propose ce que dit la Bible, bien que la Bible est imposée aux chrétiens disciples de Jésus-Christ, mais la Bible est proposée aux gens du monde
aux faux chrétiens, aux faux leaders, aux faux missionnaires, prédicateurs, diacres. Autrement dit, si je voudrais dire en un seul mot, à ceux qui se disent être juifs, mais qui ne le sont pas, la Bible est proposée à ces gens-là. Maintenant, nous allons regarder, ben, j'allais traiter un sujet, mais nous allons plutôt parler de ce sujet qui me tient à cœur de vous. Je voulais partager ça avec vous, ça fait longtemps. Donc, j'aimerais bien partager ça. Prochainement, nous reviendrons sur ce sujet que j'avais dit, parce que à ce moment, nous aurons des vidéos pour vous montrer dans la plupart des, j'appelle pas ça église, comme vous le savez, des ces camps de concentration. Ces gens ont construit des boîtes de nuit ils ont fait des boîtes de nuit, les bâtiments ont construit avec des boîtes de nuit. Et vous avez des exemples à Saint-Martin, des bâtiments qu'on appelle église, qu'on construit des choses, des salles de distraction pour que les gens, les païens viennent et se distraire. Et soi-disant le sanctuaire, entre guillemets, là où on adore Dieu et tout et tout. Donc, dans les autres pays, il y a des enfants qui ont fait des... Ils ont des salles spéciales des enfants. Ils ont des chanteurs qui sont là pour chanter et que ces enfants sont là comme s'ils étaient dans une boîte. Enfin, c'est une boîte de nuit en réalité. Et c'est ce sujet que j'allais traiter. Mais avant, je dois vous dire quelque chose. Je dois parler sur quelque chose avant. On reviendra là-dessus après. Parce que quand nous regardons l'échec ou les conséquences qu'engendre le fait que les enfants ne sont pas enseignés dans la vraie parole, dans la même parole que les adultes, ça engendre des conséquences qui sont en face de vous que vous ne pouvez même pas digérer. Vous avez des dames missionnaires, des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu, ou plutôt, laissez-moi dire, des gens qui se disent être des femmes ou des hommes ou des femmes de Dieu, qui ont des familles entières qui étaient à, entre guillemets, l'église des années. Mais si vous regardez maintenant les enfants de ces hommes et ces femmes, entre guillemets, de Dieu, ils sont tous dans la rue. Je ne suis pas en train de critiquer, loin de là, mais je veux juste attirer votre attention à vous qui avez de bon sens. Non pas à vous qui me regardez comme un lion ou bien comme un ennemi, mais à vous qui avez de bon sens. Regardez la conséquence de nos jeunes qui ne sont pas enseignés dans la vraie parole. Vous avez utilisé une formule des années, depuis, comme on dit en créole, tic-tac-tac, on utilise cette formule. Ce que vous avez là pour les enfants. Et finalement, ils sont terminés comment? Il y a des enfants, même quand ils sont devenus grands, ils sont encore dans un bâtiment qu'on appelle l'église. Ils sont juste là, juste pour passer un moment. C'est juste un camp de loisirs. Mais leurs actions, leurs actes, prouve qu'ils ne sont pas comme ils n'étaient pas, ils ne sont pas chrétiens. Et, bibliquement, vous ne verrez jamais l'exemple d'un enfant, d'un homme de Dieu, dans la Bible,
pour qui on avait utilisé cette formule-là que nous avons maintenant dans les églises traditionnelles. Parce que cela ne rapporte rien. Cela va pousser, inciter l'enfant à retourner dans le monde. Vous voulez donner du plaisir aux enfants, afin que les enfants puissent se sentir bien pour ne pas aller dans le monde. Mais vous avez tout faux. Au contraire, vous avez essayé de tracer un chemin pour le permettre d'aller dans le monde plus vite. Et c'est la raison pour laquelle ils sont tombés enceintes avant l'heure. Avant l'heure, c'est-à-dire, ils n'ont pas attendu le moment que tout soit fait selon la loi de Dieu, puisqu'ils sont des chrétiens qui sont enseignés de la bonne parole. Donc, ils sont finis comme ça. Il y avait une dame qui m'a rencontrée. Elle m'a dit, j'ai passé des années à enseigner des jeunes. Et tous ces jeunes sont finis dans le monde. Je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Et je lui répondis, un, vous n'avez pas le droit d'enseigner. Deux, vous n'êtes pas enseigné. Et trois, qu'avez-vous à enseigner ces jeunes? Qu'avez-vous? Avez-vous quelque chose pour enseigner ces jeunes? Vous avez quoi? Et dépendre de l'enseignement. Parce que Proverbe 22:6 est clair. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si la Bible déclare que l'enfant ne s'en détournera pas, si votre enfant est dans la rue, qu'est-ce qui s'est passé? L'aviez-vous enseigné de la voie qu'il devait suivre? On est clair, vous ne l'aviez pas enseigné de la voie qu'il devait suivre. J'ai entendu des gens qui disent, enfin des théologiens, comme vous savez que les théologiens, tous les théologiens sont des chrétiens. Je le dis haut et fort, tous les théologiens sont des chrétiens. Tous les théologiens. Parce que un homme de Dieu ne peut jamais être théologien. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas défier Dieu. Un, il reconnaîtra que être pasteur est un don. C'est vrai, vous allez apprendre pour, vous allez dans une école pour apprendre à être un pasteur. Mais pourquoi vous n'allez pas apprendre pour être un prophète? Il n'y a pas des écoles de prophètes. Je sais qu'il y a des écoles de parler en langue, parce que chez mes frères anglais, là, les soeurs anglaises, hein, les anglaises, les anglais, on vous apprend à parler en langue, n'est-ce pas? Hein? Shabada, shabada, shabada. Donc, ce que vous ne saviez pas, parler en langue, c'est un don. On n'apprend à personne à parler en langue. Donc, votre parler en langue n'est pas vrai. Elle est fausse. C'est vrai. Vous allez dans une école pour devenir pasteur. Pasteur professionnel, pasteur menteur, voleur, pasteur vicieux, pasteur escroc, pasteur mercenaire, pasteur professionnel et entrepreneur, chef d'entreprise. Mais un pasteur vocationnel, c'est-à-dire celui qui a reçu le don, il sait qu'il ne peut pas étudier un don. Il a connaissance de la parole de Dieu. C'est par révélation qu'on a cette connaissance. Maintenant, vous dites souvent,
arrêtez de juger. Vous ne savez pas ce que vous dites. Laissez à Dieu de juger. Regardez, vous êtes en train de me parler. Vous m'avez déjà jugé. Ce monsieur-là se prend pour celui qui sait tout. Je ne veux pas dire, je ne veux pas traiter ces gens de personnes insensées. J'aimerais pas utiliser ce mot. Insensé veut dire dépourvu de sens. Mais ces gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Bon, c'est comme si j'avais dit que ces gens sont insensés. J'aimerais parler avec vous cet après-midi sur ce point-là. Et beaucoup de gens qui me disent ça souvent, peut-être aujourd'hui vous saurez où se trouve ce verset. Parce que nous allons parler sur ce verset, à propos de ce verset. Et j'aimerais avoir l'opinion, vos opinions. Alors, prenons d'abord ce texte dans Matthieu 7, 1. Souvent, vous faites des erreurs parce que vous ne savez pas. C'est pour ça que je ne vous condamne pas. Je vous conseille et je vous aide à comprendre, surtout à examiner, pour bien parler lorsque vous parlez. Parce que je ne me présente pas comme celui qui sait tout. Je me présente comme celui qui a reçu une petite grâce de Dieu et qui veut partager cette grâce. Et c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Dans Matthieu 7, le verset 1, il est écrit, mes bien-aimés, ne juge point, afin que vous ne soyez point jugés. Il faut regarder une chose. Il faut faire une différence. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à la foule et lorsqu'il s'adresse aux disciples, le message que la foule avait reçu, ce n'est pas le message que les disciples de leur part avaient reçu. Je vais placer cela à notre temps. Le message biblique qui est écrit pour l'Église de Jésus-Christ, ce message n'est pas pour le monde. Le monde n'est pas placé à juger ou à faire quoi que ce soit quand il s'agit de Dieu. Mais là, dans ce chapitre, nous devons comprendre, à ce moment-là, il était où lorsqu'il s'adressait? Est-ce qu'il s'adressait en privé aux disciples ou est-ce qu'il s'adressait de manière global, c'est-à-dire à tout le monde. Le verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Comprenez le contexte, mes bien-aimés. Pourquoi le Seigneur a dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés? Pourquoi? Continuons à voir. Je ne veux pas donner mes explications puisque c'est déjà écrit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est vrai. Pourquoi tu vas juger quelqu'un? Parce qu'il a volé. Et toi, tu
Tu es un gros voleur. Pourquoi? Et qui t'a placé pour juger aussi? Et après, nous allons voir qui est placé pour juger. Et vous allez comprendre bien. Et surtout comprendre qui Jésus-Christ a dit de ne pas juger. Jésus a dit, un coupable ne juge pas un coupable. Un voleur ne juge pas un voleur. Un menteur ne juge pas un menteur. C'est clair. Le verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Tu critiques la sœur, elle vit dans le plaçage. Enfin, ce mot n'existe pas, mais je l'utilise pour les églises traditionnelles. Elle est, ouais, tu vis au plaçage, tu vis dans le péché et tout et tout. C'est ce que tu veux, non? Et pendant ce temps, toi, tu as ton mari. Tu as un copain à côté. Tu n'es pas dans le plaçage. Tu as ta femme. Et tu as une femme à côté. Tu as copain, copine. Enfin, amant, copine, tout ça. Tu n'es pas dans le plaçage. Non, tu n'es pas dans le péché. Tu es un homme saint, n'est-ce pas? Bravo. Toi, tu peux juger. Je vois que tu peux juger. Si la Bible déclare qu'il faut se préparer soi-même d'abord, s'accorder, s'arranger, il faut réformer ses voies d'abord. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas en position de juger. Et nous allons le voir, je le dis maintenant, c'est un homme de Dieu qui juge. C'est des gens que Dieu a placés qui peuvent juger. Les païens ne peuvent pas juger. Une église traditionnelle, ou bien les églises traditionnelles ne peuvent pas juger. Et c'est pour cela que je le dis. Et je l'ai souvent dit. Si quelqu'un a quelque chose contre moi, vous n'avez qu'à. De toute façon, je n'ai aucun problème. Moi, je n'ai pas de vie privée. J'ai pas de vie privée. Jésus-Christ n'avait pas une vie privée. De toute façon, il n'avait même pas où poser sa tête. Donc peut-être s'il avait une maison, il pouvait avoir une vie privée. Je vis avec ma conscience, ma foi en Jésus-Christ. Le verset 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est-à-dire, vous devez travailler sur vous. Et après, vous allez aider votre frère. C'est ce que je fais. Moi, je travaille sur moi. Je m'arrange. Quelle bonne chose. Quand vous vous arrangez dans le Seigneur, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut inventer. Mais il ne faut pas que ça soit vrai. Il ne faut pas que ça soit vrai. Ce n'est pas de répéter tout le temps, ne jugez point afin que vous ne soyez plus jugés. La Bible dit de ne pas juger. Je vais vous poser une question. Êtes-vous coupable de ce qu'on vous juge? Oui ou non? Je suis sûr que vous êtes coupable. C'est pour ça que vous dites ça.
Moi, je ne veux pas dire à quelqu'un. Je ne vais pas dire à quelqu'un. Il est écrit. Mais je ne veux pas dire à quelqu'un qui me dit quelque chose, ou bien qui reproche quelque chose de moi, de retirer la poudre de son œil. Je vais m'arranger. Quand je me serai arrangé, je reviendrai voir cette personne-là. Et je dirai à cette personne, vous m'aviez aidé la dernière fois, c'était bien parce qu'aujourd'hui, je suis bien. Parce que à cause de toi, j'ai pu travailler sur moi-même. J'ai pu examiner moi-même. Et j'ai découvert que il me manquait quelque chose. Maintenant, je me sens bien grâce à toi qui m'avais reproché là-dessus. Mais maintenant, par contre, j'ai quelque chose à te dire. Puisque je suis correct, maintenant je suis venu te dire, toi, il faut que tu t'arranges pour telle ou telle chose. Là, ce sera la parole. C'est ce que moi, je ferai. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait tout le temps. Il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pousseaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent d'eux et ne vous déchirent. Je me rappelle que Paul avait dit quelque chose à Timothée. Il disait à Timothée, dans 2 Timothée 2. Oh, laissez-moi lire 2 Timothée 2. Laissez-moi lire ça. 2 Timothée 2, le verset 1 jusqu'à 7. Il lui dit, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de fidèles, beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On ne peut pas confier cela à des hommes infidèles.